Nous allons invoquer notre Dieu et je vous invite de vous lever. Bénis le Seigneur, ô mon âme, que tout mon cœur bénisse son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucune de ses largesses. C'est lui qui pardonne entièrement ta faute et guérit tes blessures. Il réclame ta vie à la fosse et te couronne de fidélité et de tendresse. Il nourrit de ses biens ta vigueur. Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, lent à la colère et plein de fidélité. Il n'est pas toujours en procès et ne garde pas rancune indéfiniment. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes. Comme les cieux dominent la terre, sa fidélité dépasse ceux qui le craignent. Comme le levant est loin du couchant, il met loin de nous nos offenses. Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est tendre pour ceux qui le craignent. Sa fidélité reste pour toujours et pour toujours. Amen. Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Communauté de Collonges, bonjour. Alors, on entre aujourd'hui dans cette 70e année des droits de l'homme, cette constitution qui veut donner à chaque être humain le droit d'être qui il est, la liberté et entre autres d'exprimer, de pouvoir exprimer et vivre ses croyances qui sont chères à chaque être humain. Et j'ai trouvé que c'était le jour parfait pour inviter deux personnes qui appartiennent à une autre communauté, à deux autres communautés, Jean-François Cherpy et Hélène Gugisberg. Jean-François Cherpy est curé de la paroisse Notre-Dame à Genève et également aumônier en prison. Et Hélène Gugisberg est attachée à la communauté réformée évangélique de Neuchâtel et elle est aussi aumônier dans son canton. C'est avec beaucoup de joie qu'au nom de mon Église, de notre communauté, nous vous souhaitons la bienvenue ce matin. Sentez-vous accueillis, sentez-vous respectés, sentez-vous à votre place ici avec nous ce matin. Et c'est depuis tous ces lieux, tous nos lieux de pauvreté, toutes nos églises, les prisons, les hôpitaux, les institutions, c'est depuis ce lieu et en s'appuyant sur un fondement commun, le commandement nouveau que Christ nous a laissé, en dépassant aussi toutes nos pratiques peut-être un peu différentes, que ce matin, ensemble, on s'unit pour rendre grâce dans une charité partagée. Tu as brisé les barrières quand tu t'es faufilé parmi nous. Parce qu'en Jésus, Jésus souriant, Jésus partageant ses récits, Jésus contesté, Jésus contrariant, Jésus aimant et pardonnant, tu as rejoint chacun, chacune. Tu nous as touchés, révélant comment en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Car tous sont un en Jésus-Christ. Tu as ouvert nos yeux et nous avons vu que combien les mains des riches étaient vides et combien les cœurs des pauvres étaient pleins. Tu as osé mettre en évidence le sou de la veuve, les pains de l'enfant, la fragilité du nourrissant et signaler le chemin de ton royaume dans la simplicité de ces événements-là. Tu as dit « Suis-moi » parce que de nous-mêmes, nous n'aurions jamais découvert qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme,
car tous sont un en Jésus-Christ. Tu nous as donné des mains à tenir, des mains noires et des mains blanches, des mains d'Afrique, des mains d'Asie, les mains d'amoureux qui serrent fort et les mains hésitantes de ceux qui ne se croient pas dignes de les serrer. Et quand nous voulions lever notre poing, tu voulais encore nous tenir par la main. Parce qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Tous sont un en Jésus-Christ. Ici, en compagnie des proches que nous connaissons, des visiteurs, des étrangers parmi nous, en compagnie des personnes que nous pensons différentes de nous, et aussi avec tout ce que nous évitons en nous, nous te demandons d'aimer comme Jésus aime. Que ce lieu et ce temps qui vient, Seigneur, deviennent l'endroit et le moment où terre et ciel se rejoignent et se fondent, et où nous pouvons, par la parole et dans notre corps, saisir qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Car tous sont un en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous te louons. Je vous invite à vous mettre debout. Et pour ce premier chant, j'ai choisi un chant que Jean-François chante dans sa communauté. Alors vous ne le connaissez pas, mais on l'a appris déjà hier avec les musiciens. Ils l'ont trouvé très joli, vous verrez, il est facile. Donc laissez-vous faire. Rendons gloire à Dieu notre Père. J'ai eu la joie de partager quelquefois les célébrations à la prison, à Chandelon ou à la Brenna, avec Priscille. Un des très beaux chants qu'elle nous a appris, c'est ce chant « Je t'ai choisi, tu m'as choisi ». Alors j'ai envie que nous le chantions ensemble aujourd'hui. Je suis tombée.
Lorsqu'on est chrétien, la charité, ce n'est pas une option, c'est évidemment un commandement du Seigneur. Eh bien, l'unité, c'est pareil. C'est comme la charité, ce n'est pas une option, c'est aussi un commandement du Seigneur. Lorsque on s'aime, alors oui, on est vraiment disciple du Christ. Et le Christ nous demande pour cela d'être unis les uns avec les autres, comme lui, il est uni au Père. Alors chantons ensemble ce chant, tous unis. Tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, tous unis. Lorsqu'on se rencontre en Dieu, on se reconnaît en tant que croyant. Et à ce moment-là, notre appartenance religieuse n'a plus d'importance. Et c'est ce qui se passe tous les jours. Je suis contente d'annoncer le chant « Vive en l'unité hein? ». Oui. Nous voulons vivre l'unité, mais nous le vivons déjà. Voilà. Soir. Aujourd'hui, pendant que la collecte sera recueillie, votre participation, la manière pour vous de dire que vous soutenez la communauté, nous entendrons Alma, qui vient de loin, qui est à l'IFLE et qui va jouer quelques belles mélodies au violoncelle.
Et après la méditation de Jacques Doucan, vous entendrez un chant qui sera chanté par Margot Sinclair, une élève du collège ici, et qui appartient à la communauté catholique de Saint-Julien. À que nous nous levions pour la prière. Notre bon Père qui es aux cieux, merci d'être en ta présence ce matin. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci parce que nous pouvons coopérer avec toi pour faire répandre le message de l'Évangile à tout le monde. Merci pour ces offrandes, le fruit des cœurs généreux qui veulent coopérer, qui veulent partager ces bénédictions avec les autres. Nous voulons te demander que tu puisses bénir les offrandes pour qu'elles puissent aider ceux qui sont dans le besoin et qu'elles puissent être utilisées pour faire avancer ta cause sur cette terre. À ce matin, Seigneur, nous voulons te prier pour la liberté, te prier pour ceux qui n'en ont pas, pour ceux qui souffrent,
pour ceux qui sont dans les prisons physiques, émotionnelles et spirituelles. Et nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons la liberté. Mais il y en a tant de personnes qui n'en ont pas. Et nous voulons te prier pour les gouvernements, pour ceux qui ont la responsabilité de diriger les nations et les organisations qui pourvoient à la liberté des individus, pour qu'ils puissent continuer à garantir ce droit fondamental de l'homme, la liberté d'expression, la liberté de religion, la liberté de grandir à ton image et ressemblance. Ô Seigneur, nous te demandons que tu puisses être avec nous pour que nous puissions être agents de libération pour ceux qui se trouvent privés de leur liberté. Et merci surtout pour la liberté que tu nous donnes en Christ, la liberté complète, présente et éternelle. Tout ça, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Bonjour les enfants. Avant la petite histoire, je voulais vous proposer, puisque ce soir il y a un concert de Noël, je voulais vous proposer de décorer les sapins muraux que vous avez vus à l'entrée peut-être. Hein ? Donc, tout à l'heure, lorsque l'histoire sera terminée, je vous invite à me rejoindre, je serai en bas, et je vous donnerai à chacun une petite boule comme ça en papier, et vous aurez à la décorer. Donc, je vous invite à faire des dessins qui représentent des paysages de neige. Hein, vous pouvez vous inspirer aujourd'hui, je pense, en regardant par la fenêtre. Ou alors faire une petite décoration à votre goût. Alors, je vous demande de vous appliquer, de faire quelque chose de joli. Et je serai, non pas sur l'estrade au dernier chant, hein, lorsqu'il y aura le dernier chant après le culte, je serai à l'entrée et je vous attendrai pour recueillir vos petits dessins qu'on accrochera sur les sapins. D'accord ? Aujourd'hui. Donc après l'histoire, vous venez récupérer le papier. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Corrie. Corrie, elle a une sœur qui s'appelle Betty. Elle vit avec sa sœur et son papa dans une ville qui s'appelle Haarlem en Hollande. Est-ce que quelqu'un sait où c'est la Hollande ? Non ? Eh ben, je vous propose, quand vous rentrez chez vous, de regarder sur une carte. C'est un pays plus au nord. Et tout se passait bien. Corrie, elle a fait des études. Elle est même venue ici en Suisse pour apprendre l'horlogerie. Et avec son papa, il tenait une petite boutique. En fait, ils avaient une grande maison. En bas, ils tenaient une boutique d'horlogerie. Et puis, ils habitaient en fait à l'étage au-dessus. Et tout se passait bien dans cette famille et dans ce pays jusqu'au jour où une guerre a éclaté. D'abord une guerre en Europe et puis après une guerre partout dans le monde. Et il s'est passé quelque chose de difficile pendant cette guerre. L'armée allemande a décidé de faire du mal en fait au peuple juif. Ils ont voulu les prendre. Après ils se sont dit bon, on peut les forcer à travailler dans un centre où ce serait vraiment pas très drôle. On pourrait les frapper, on pourrait leur faire du mal. Et Corrie, Betty et leur papa, ils n'étaient pas juifs, mais ils n'acceptaient pas. Ils se disaient, mais comment est-ce qu'on peut faire ça à un peuple ? Comment est-ce qu'on peut juste décider, ce peuple, il est moindre que les autres, on va juste leur faire du mal
Et en plus, c'était le peuple de Dieu. Le père de Corrie disait, mais c'est la prunelle aux yeux de Dieu. On ne peut pas permettre qu'il se passe quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre échelle, pour aider ce peuple ? Alors, ils ont réfléchi, et en fait, ils n'étaient pas les seuls. Il y a vraiment plusieurs personnes dans ce village, dans ce pays, partout en Europe, qui se sont mobilisées et qui se sont unies pour aider les Juifs dans cette période vraiment difficile. Alors, eux, ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Et ils ont décidé, ils se sont dit, ben, en fait, notre maison, elle est vraiment très grande. Alors, ce qu'on pourrait faire, peut-être, c'est trouver une cachette. Parce que ces personnes, elles étaient persécutées, alors il fallait soit qu'elles fuient vers un autre pays, soit qu'elles trouvent des endroits où se cacher. Mais bon, est-ce que c'est évident de se cacher quand il y a les policiers qui débarquent et qui regardent, qui remuent la maison pour trouver toutes les cachettes? Ils étaient là, mais ça ne peut pas être dans l'armoire ou quelque chose comme ça, il faut vraiment une sacrée cachette, quoi. Et du coup, en fait, ils ont une idée ingénieuse. Ils se sont dit, tous ceux qui se sentent concernés par ça et qui veulent aider ce peuple, on va tous s'unir, mais il ne faut pas qu'on se fasse attraper. Parce que ça veut dire qu'on va subir la même chose et puis on ne pourra même plus les aider. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? Alors ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tous s'appeler, déjà on va tous s'appeler Smith. C'est Madame Smith, Monsieur Smith, tout le monde. Comme ça, en fait, on ne connaît jamais le vrai nom de chacun. Et le jour, si un jour on doit nous attraper et qu'on nous demande, en nous menaçant comme ça, mais c'est qui ? Quel est le nom de la personne qui t'a amené cette personne juive ? C'est ça, c'est Monsieur Smith. Ah bah oui, mais Monsieur Smith, on en a déjà entendu 15 000 fois. Et il y a un jour un Monsieur Smith qui est venu dans la maison des... Il s'appelle Ten Boom. Elle s'appelle Corrie Ten Boom, Betty et leur père. Qui est venu dans leur maison et c'était un architecte, un très très bon architecte, qui est venu inspecter et qui a dit, ouais, alors là, il y a vraiment moyen de faire une sacrée cachette ici. Et en fait, il a mis dans la chambre de Corrie, la chambre de Corrie était vraiment très profonde et puis c'était mansardé, c'est-à-dire qu'il y a le toit comme ça qui coupait un peu la pièce. Il s'est dit, on peut faire comme un faux mur et en fait, on va laisser de l'espace. Et comme il y a l'armoire de Corrie, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, quand on ouvre l'armoire, dans le fond de l'armoire, on va faire comme une plaque de bois qu'on pourra enlever et les gens peuvent rentrer et se faufiler derrière le mur. Puis on mettra les habits et tout ça, et comme ça, personne n'y verra rien. C'est ce qu'ils ont fait, et la famille de Corrie, ils ont pu commencer à accueillir des Juifs pour les cacher et pour les protéger. Maintenant, ils avaient peur, parce qu'à tout moment, on pouvait les dénoncer, à tout moment, on pouvait venir vérifier s'ils cachaient des gens. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé un jour. Il y a plusieurs policiers qui sont arrivés, qui ont dit « On sait que vous cachez des Juifs ici !» Et heureusement, ils avaient un signal qui permettait, en fait, toutes les personnes qui étaient juives, ils étaient 11 à ce moment-là, ils ont tous pu aller se cacher. Et alors, Corrie, Betty et le papa, ils étaient là « Non, 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 il n'y a pas de Juifs ici. Montrez-nous où est-ce qu'ils sont !» Et ils demandaient à Dieu la force, la force, la force de ne pas dire où est-ce qu'ils étaient et surtout de tenir bon et de dire non, non, non. Alors ils ont réussi, ils ont cherché partout, partout et ils n'ont pas trouvé. C'était une très, très bonne cachette. Mais Betty, Corrie et le papa, ils ont été emmenés dans un centre de concentration, ce qu'on appelait. Et on les a torturés pour qu'ils puissent révéler où est-ce qu'ils étaient, ces Juifs. Ils ont demandé à Dieu la force. Et Dieu leur a permis de ne jamais révéler. Et ils avaient des contacts avec la police hollandaise, en fait. Il y avait aussi des Smiths dans la police. Et ils sont venus libérer les personnes juives qui étaient cachées 2 jours après, quand ils ont vu qu'ils étaient emmenés, en fait, la famille Ten Boom. Ils sont venus les libérer. Donc ils ont pu sauver la vie de 11 personnes. Maintenant, Corrie, Betty et papa, ils étaient dans un camp de concentration, là où ils amenaient justement les Juifs, et c'était très 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 dur au quotidien, parce qu'on les forçait à travailler, en plus on les maltraitait, et ils ont vraiment puisé leur force en Dieu, en demandant à Dieu de tous les jours, renouveler leur force, qu'ils aient le courage d'affronter la difficulté de leur journée. Et un beau jour, la guerre s'est finie, c'est terminé, et malheureusement, Betty et papa, ils sont décédés dans le camp de concentration, mais Corrie est sortie. Elle était malade, elle était faible, elle était toute maigre, elle avait perdu beaucoup de poids, mais elle était en vie et elle remerciait Dieu pour ça. Et l'histoire ne s'arrête pas là, c'est une histoire vraie. Et l'histoire ne s'arrête pas là, Corrie s'est battue pour annoncer et pour partager
aux gens la puissance du pardon. Est-ce que vous pensez que c'est facile de pardonner quand on a vécu de telles choses, quand on nous a maltraités, quand on nous a... Non, c'est vraiment pas évident. Mais elle demandait à Dieu de tout son cœur de l'aider à pardonner ce qu'on lui avait fait vivre, ce qu'elle avait subi pendant des années. Et un jour, alors qu'elle était dans une conférence, beaucoup de personnes étaient venues l'écouter. Elle parlait de la force du pardon et que Dieu peut permettre de pardonner, même des choses qui semblent impardonnables. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui l'écoutaient. Et à la fin, les gens venaient pour la saluer et elle a vu un homme s'approcher d'elle. Elle l'a reconnu. Et là, dans son cœur, il s'est serré fort parce que c'était une des personnes qui était dans la prison, dans les camps de concentration et qui l'avait vraiment, vraiment maltraité, insulté et qui lui avait fait du mal. Et ce monsieur, il vient vers elle, il lui tend la main et il lui dit « Corrie, je vous demande pardon pour tout ce que j'ai fait. » Et là, c'était dur au fond d'elle. C'était dur parce qu'elle le prêchait, elle annonçait que Dieu voulait qu'on pardonne même des choses aussi difficiles. Mais c'était dur. Et elle a prié, prié et demandé à Dieu « Donne-moi de lui pardonner. » Elle l'a pris dans les bras. Elle lui a pas seulement serré la main, mais elle l'a pris dans les bras. Elle lui a dit « Je vous pardonne pour ce que vous m'avez fait. » Voilà, c'était mon histoire pour vous aujourd'hui. Et Dieu nous permet de pardonner même quand ça paraît difficile ou impossible. Et surtout, il nous donne la force. Quand on croit qu'il n'est plus là, quand on croit que c'est trop difficile la vie, ou Dieu, il est là, il nous donne d'avancer et de pardonner. Voilà, vous pouvez aller vous rasseoir auprès de vos parents. Je vous propose de lire avec moi les 10 premiers versets du chapitre 33 de la Genèse. Genèse, chapitre 33, les versets 1 à 10. Jacob leva les yeux et regarda, et voici, Ésaü arrivait avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna à terre 7 fois jusqu'à ce qu'il soit près de son frère. Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Ésaü leva les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit « Qui sont ceux que tu as là ?» Et Jacob répondit « Ce sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. » Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se prosternèrent. Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se prosternèrent. Ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se prosternèrent.
Ésaü dit, « À quoi destines-tu tout ce camp que j'ai rencontré ?» Et Jacob répondit, « À trouver grâce aux yeux de mon Seigneur. » Ésaü dit, « Je suis dans l'abondance, mon frère, garde ce qui est à toi. » Et Jacob répondit, « Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon présent, car c'est pour cela que j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu et que tu m'as accueilli favorablement. » J'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Verset, ligne étrange, choquante, blasphématoire même. C'était une ligne, une parole de Jacob à son frère. Plus que son frère. Son ennemi, j'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. Je vous invite à réfléchir sur cette parole dans la perspective précisément des droits de l'homme. Vous verrez qu'il y a un rapport. Le contexte de cette histoire, le contexte de cette parole, Jacob vient de s'enfuir. Il s'enfuit de chez Laban, chez qui il avait déjà fui. Et Jacob, qui fuit encore, retrouve cette vieille angoisse. Il lève les yeux et il voit au loin venir celui qu'il craint. Pour des raisons importantes, des raisons graves, son frère Ésaü, accompagné de 400 hommes. Et bien sûr que, alors qu'il voit se profiler à l'horizon ces 400 cavaliers, Jacob commence à connaître cette fameuse angoisse qui va devenir légendaire dans l'histoire d'Israël, l'angoisse de Jacob, qui va devenir un emblème dans la tradition biblique. Jacob tremble parce qu'il voit venir celui qui, dont les intentions ne sont pas encourageantes. Quand on vient avec 400 cavaliers, ce n'est pas pour faire un sourire et pour faire des compliments. Jacob immédiatement fait le nécessaire et l'histoire nous raconte que, alors que Jacob se prépare pour le pire, avec Léa, avec Rachel, avec ses serviteurs, et à ce moment-là, on nous rapporte l'histoire de cette rencontre. On nous la raconte en 5 verbes. C'est avec 5 verbes poignants qui vont introduire cette phrase tout à fait inattendue, tout à fait choquante, tout à fait surprenante. J'ai regardé ta face comme on regarde la face de Dieu. En arrière-plan à cette parole, il y a précisément l'histoire de cette rencontre qui est racontée en 5 verbes. On voit, et ces 5 verbes nous sont donnés précisément dans le verset 10. Qui vous a été lu en conclusion de ce passage. Ésaü courut, premier verbe, il embrassa, il étreint Jacob, deuxième verbe, il se jette à son cou, troisième verbe, il le baisa, quatrième verbe,
et ils pleurèrent ensemble. Il y a beaucoup de moments de comme cela dans la Bible et dans le livre de la Genèse, où les hommes virils, forts, n'ont pas peur de pleurer, où l'émotion atteint son maximum. Et il est rare qu'ils pleurent seuls. Quand ils pleurent, ils sont toujours accompagnés. Et l'intensité de ces pleurs et de ce chagrin en ressort encore plus fort. Ils pleurèrent ensemble, et c'est à travers ces larmes, à travers le voile de ces larmes, que dans ce sanglot, Jacob enfin parle et qu'il dit : J'ai vu ta face, j'ai regardé ta face. Et je traduis maintenant littéralement : J'ai vu ta face comme le voir de la face de Dieu. Comment a-t-il pu voir la face de Dieu ? Dans la face d'Ésaü, sur la face d'Ésaü, sur la face de son frère ennemi. Qu'est-ce que cette phrase signifie ? Je dois dire que lorsque j'ai trébuché sur cette phrase, j'ai été interpellé. Cela m'a surpris, cela m'a choqué. Et certainement que cette phrase vous choque aussi. Parce que voir la face de Dieu sur la face de son frère, de son pire ennemi, quel blasphème! Comment est-ce qu'on peut voir la face de Dieu sur un homme, sur son frère, et pire, sur son ennemi? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Jacob voulait dire? Et il y a là, dans cette phrase, il y a deux lignes, deux paroles qui, en quelque sorte, contiennent le secret de sens de cette phrase étrange. J'ai vu ta face, première phrase, qui contient une première leçon. Comme la face de Dieu, deuxième phrase, qui contient la deuxième leçon. Et je vous invite à parcourir cette phrase avec moi et à y recueillir le sens, après en avoir vu le contexte, l'arrière-plan historique. La syntaxe de la phrase est déjà significative. Il commence par « J'ai vu ta face ». Comme si ce voir de la face de son frère était plus important que le voir de la face de Dieu. Comme si le voir de la face de son frère annoncé, anticipé, précédé, était même la condition du voir de la face de Dieu. Et il y a là une première leçon qui nous surprend, qui nous touche, à savoir que pour voir la face de Dieu, c'est la première leçon que nous recevons, une phrase qui frappe, un accent sur cette phrase, on commence par là, comme si pour voir la face de Dieu, il fallait passer par là tout d'abord, voir la face de Dieu, de l'homme, voir la face de l'autre. Voir la face de son frère, voir la face de son ennemi. Que signifie donc « j'ai vu ta face » ? Comment se fait-il que voir la face de son frère conduit à cette expérience extraordinaire, glorieuse de voir la face de Dieu ? Qu'est-ce qui est contenu dans cette première phrase qui nous prépare à la deuxième phrase? C'est la question que nous pouvons nous poser. C'est la question que nous devons nous poser. Lorsque Jacob dit « J'ai vu ta face », cela signifie tout d'abord qu'il a reconnu
Ésaü. Il a reconnu ce visage familier de son frère. J'ai vu ta face. Je te reconnus. Je sais que, qui tu es. Je sais que tu es Ésaü. Il reconnaît immédiatement, il reconnaît Ésaü comme quelqu'un qui fait partie de lui-même, qui est proche de lui. J'ai vu ta face. Et puis, en disant j'ai vu ta face, Ésaü, il dit en même temps qu'il a donné un visage, une face à Ésaü. Ésaü n'est plus simplement ce souvenir d'autrefois vague, hein, qui au bout de tant d'années s'était estompé dans sa mémoire. Maintenant, il a un visage. Maintenant, il est réel. Il a un visage avec ses traits tout particuliers. Ésaü donne, Jacob donne à Ésaü une réalité humaine. Il donne une réalité proche, forte, qui existe. Ésaü n'est pas ce numéro anonyme, comme c'est souvent le cas dans notre pensée des autres. On a évoqué le souvenir des camps de concentration, et là, il n'y avait pas de visage. Il n'y avait que des numéros. Et on était appelé par des numéros. Ésaü n'est pas un numéro, parce que Jacob parle de sa face. J'ai vu ta face, il n'a pas vu un numéro. Ésaü n'est pas une étiquette. Ce n'est pas une étiquette. Une espèce de mot artificiel qu'on pose sur quelqu'un, qui le signifie dans notre classification. J'ai vu ta face. Il a vu quelqu'un. Il n'a pas vu une étiquette. Il n'est pas Ésaü un cas psychologique qui fait partie de sa leçon. Un cas abstrait. C'est quelqu'un réel. J'ai vu ta face. Il n'est pas un groupe social. Il n'est pas une race. Il est quelqu'un tout particulier qui transcende les groupes. Il est lui. Il est Ésaü. J'ai vu ta face. Il n'est pas un objet spirituel, et l'on pourrait prolonger la liste. On n'est pas un objet spirituel. Quelqu'un qu'on aime pour Dieu, non pour lui-même. J'ai entendu cela une fois. Je ne peux pas la supporter. Je ne la supporte pas, je ne l'aime pas. Mais pour Dieu, je l'aime. Quelle valeur a cet amour? Quelle est la signification de cet amour? Aimer sans avoir vu la face n'est pas l'amour. Il n'est pas un objet virtuel. Cet autre que l'on découvre à travers les mécanismes des jeux électroniques, quelqu'un derrière l'ordinateur, qui n'existe pas en lui-même. J'ai vu ta face, il est réel, il est physique, il est là devant lui. Il n'est pas un objet politique. Quand quelqu'un vient dire à une foule « Je vous aime » pour les convaincre de voter pour lui, il n'est pas tout cela et bien d'autres choses encore. Il est lui, il est Ésaü, il existe en réalité avec toute sa complexité, avec toute son identité.
avec tout son pluriel. Intéressant qu'en hébreu, le mot « face », « panim » est un mot pluriel. On ne peut pas le saisir. On croit qu'il est là et il est ailleurs. C'est cela la réalité du frère et encore plus de l'ennemi. Car le frère est toujours un ennemi et c'est cela qui nous échappe. Panim, j'ai vu ta face. Il a reconnu la face d'Ésaü, sa propre face. Et parce qu'il a vu la face d'Ésaü de cette manière, parce qu'il a reconnu Ésaü pour lui-même sans préjugé, sans classification, sans boîte, parce qu'il a vu Ésaü et personne d'autre, parce qu'il a vu Ésaü dans sa différence, dans son caractère unique, il a vu lui-même, parce qu'il a vu, parce qu'il est entré en relation, parce qu'il y a eu une relation, il y a eu un échange, il l'a vu. Pour cela même, grâce à cela, il a vu Dieu. Il a vu la face de Dieu. Quelle leçon nous apprenons ici? La leçon que les évangiles et les écritures nous rappellent, martèlent, à savoir que si l'on veut voir la face de Dieu, il faut tout d'abord être capable de voir la face d'Ésaü, son frère. Dans l'épître de Jean, premier épître de Jean au chapitre 4, verset 20, vous vous souvenez de cette parole, « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ?» Et on retrouve cette même pensée de ce rapport entre la voir Dieu, la religion, et ce que d'autres ont appelé un certain humanisme, c'est-à-dire la capacité de reconnaître l'autre, de voir l'homme pour ce qu'il est et de l'aimer, de le reconnaître. Dans Matthieu 25, il y a tout ce chapitre où Jésus lui-même parle. Il dit « J'étais nu et vous m'avez vêtu » verset 36, 36 du chapitre 25 au verset 40, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses, c'est à moi que vous les avez faites. Si tu as vu l'autre, tu as vu Dieu. Si tu as été capable de voir l'autre, tu as vu Dieu. » Là, une leçon très importante qui est contenue dans cette première phrase qui précède la deuxième, à savoir que la religion est tout d'abord, elle passe par là. Elle passe par cette reconnaissance de celui qu'on voit avant de reconnaître celui qu'on ne voit pas. C'était d'ailleurs le problème de Jacob. C'était véritablement le problème théologique de Jacob. Le problème de beaucoup d'hommes, beaucoup de religieux. Et ce faisant, cette première phrase est un appel à tous les religieux, à toutes les églises, à toutes les synagogues, aux hommes de toutes les mosquées, à tous ceux qui prétendent vouloir, pouvoir voir Dieu, ce verset leur rappelle qu'il faut passer par là, être capable de voir la face d'Ésaü, son frère, son ennemi. Dans les religions, malheureusement, l'histoire des religions a été marquée par cette distorsion de la religion où on est tellement occupé à voir la face de Dieu qu'on ne voit plus la face de l'autre. Et
ces gens qui sont si zélés dans cette relation, si plongés dans le regard de Dieu, qu'ils en viennent même à mépriser la face de l'homme qu'ils voient, et qu'ils en viennent même à rejeter la face de l'homme parce qu'ils sont occupés à voir la face de Dieu. C'est cela l'histoire des religions. C'est cela l'histoire des persécutions religieuses. On tue parce qu'on aime Dieu. On hait l'autre, le frère, l'ennemi même. Et l'ennemi est souvent le frère. Parce qu'on aime Dieu. Et emporté par ce zèle, par cette passion de Dieu, on en vient à tuer l'autre. Je disais, c'est aussi le problème de Jacob. Jacob était tellement soucieux, tellement passionné de sa leçon spirituelle, de son héritage spirituel. Il est tellement zélé pour obtenir ce droit d'aînesse qui signifiait précisément une relation privilégiée avec Dieu. Jacob était si passionné pour Dieu qu'il en était venu à mentir pour Dieu, tromper pour Dieu. Et on pourrait élaborer là-dessus. Et j'ai entendu des mensonges pour Dieu. J'ai entendu des calomnies pour Dieu. Nous avons vu et entendu des crimes pour Dieu. Et ce verset nous le rappelle, très simplement. J'ai vu ta face. Appel à un apprentissage religieux, pour pouvoir aller plus loin. Il faut être capable. Quel défi de voir dans la face de notre frère, dans la face de notre ennemi, parce que souvent l'ennemi est notre frère, il est notre sœur. L'ennemi n'est pas à Daesh, il est plus souvent là, tout proche, tout familier. Trop près de nous. L'ennemi est souvent le frère. Et on nous apprend là que pour être capable de voir la face de Dieu, il faut voir la face de l'homme, de l'autre, du frère, de l'ennemi, comme la face de Dieu. Comme le voir de Dieu, comme l'expérience de voir de Dieu. C'est la deuxième leçon. Il y a là un renversement. Quand on est arrivé à la fin de cette deuxième phrase, tout d'un coup on comprend tout à fait autrement. Comment voir la face d'Ésaü comme la face de Dieu si on n'a jamais vu la face de Dieu? Si on ne connaît pas Dieu? Si on ne reconnaît pas Dieu? Il faut avoir vécu cette expérience avec Dieu, il faut l'avoir vu, Dieu, la face de Dieu, pour être capable de dire « J'ai vu ta face comme la face de Dieu ». Il est capable de dire cela parce qu'il a déjà vu la face de Dieu. Il est impossible de voir la face de l'autre comme la face de Dieu si on n'a pas déjà vu au préalable la face de Dieu. Et c'est l'expérience de Jacob. Cette histoire que nous rapportons ici, elle se présente immédiatement après cette expérience que Jacob vient d'avoir. Au chapitre 32, Jacob vient précisément d'être empoigné par quelqu'un. Et il découvre plus tard qu'il s'agit là de Dieu lui-même. Et dans ce texte-là, on dit que Jacob a vu le
panim de Dieu. Il a vu la face de Dieu. À tel point que il donne le nom, il donne à cet endroit où il a rencontré cette face de Dieu, il lui donne le nom de Peniel, qui signifie la face de Dieu. Et après avoir vu la face de Dieu, après avoir été confronté par cette empoignade, par cette découverte, par ce flash de la face de Dieu, Jacob rencontre Ésaü et lui dit: « J'ai vu ta face comme la face que j'ai déjà vue. » Et là, tout d'un coup, on comprend que pour être capable de voir la face de son frère comme la face de Dieu, oui, il faut d'abord avoir vu la face de Dieu. Il est impossible d'être capable de voir la face de son frère comme la face de Dieu si on n'est pas passé par là. Si on n'est pas passé par cette expérience de cette rencontre qui nous surprend et qui nous amène à voir la face de Dieu. Et là, tout d'un coup, on renverse. Tout d'un coup, c'est l'inverse. Ce n'est pas mon effort, ce n'est pas ma capacité, ma psychologie, mon amour, mes qualités qui m'amène à voir le frère comme la face de Dieu. Non, c'est tout le contraire. C'est précisément parce que Dieu a révélé sa face que je suis amené, obligé à reconnaître dans l'autre la face de Dieu. Ce n'est pas mon effort, ce n'est pas mon action, ce n'est pas mon travail. C'est la grâce de ce Dieu qui m'a révélé sa face. C'est Dieu qui l'a fait. Il y a un passage dans le livre de Daniel qui m'a toujours retenu et qui m'a toujours frappé, qui se trouve au chapitre 1, au verset 9. Alors que Daniel venait de dire qu'il voulait rester fidèle. Le texte nous dit que Dieu intervient là et il fait un miracle. Nous allons lire ce passage au chapitre 1, verset 9 de Daniel, qui rend compte de ce miracle du Dieu qui fait quelque chose pour aider Daniel à voir la face de Dieu dans la face de son ennemi. Au verset 9, il est dit tout simplement, au verset 9 du chapitre 1er de Daniel: « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Petite ligne qui semble innocente, mais qui est lourde de signification. Et le mot « grâce » est employé, c'est Dieu qui donne la grâce, c'est le visage de Dieu que Daniel a rencontré, cette rencontre qui a amené à cette expérience, c'est Dieu qui l'a faite. Comment Jacob a-t-il pu voir en Ésaü la face de Dieu? Ésaü, si vous connaissez l'histoire d'Ésaü, et toute l'histoire qui s'ensuit, on est surpris. Parce que Ésaü, c'est Édom. Ésaü, c'est l'ancêtre d'Amalek. Ésaü, c'est l'ancêtre d'Aman. Ésaü représente dans l'histoire biblique et au-delà même dans la tradition juive, l'ennemi, l'archétype de l'ennemi par excellence. Celui qui persécuterait,
Il n'est pas pour, ce n'est pas un hasard que même dans la tradition juive, le dernier événement, l'Holocauste, a été attribué à Amalek, à Ésaü. Alors voir comment est-ce que Jacob, qui probablement savait tout cela, qui avait probablement une idée de cet avenir d'Ésaü. D'Ésaü qui était l'ennemi, qui contenait en lui tout le potentiel d'ennemi. Eh bien, il y a là un miracle. Comment est-ce que Jacob a pu voir dans Ésaü, qui contenait tout ce potentiel d'ennemi et de mal, a-t-il pu voir la face de Dieu? Et là, encore une leçon très troublante, c'est que, et en même temps très importante, c'est que Dieu lui a confié une vision, une capacité de voir un potentiel que normalement, qui n'était pas logique. De voir au-delà de ses intentions, de voir d'autres intentions. Il n'a pas vu en Ésaü l'ennemi potentiel, comme souvent on fait. Cette capacité de voir dans l'autre l'ennemi potentiel. Là, c'est la spécialité des frères et sœurs. On voit en l'autre, en son frère, on est capable de voir en son frère, parce que précisément on le connaît, l'ennemi potentiel. Et c'est cela très souvent qui gâche, qui change, qui transforme, qui pourrit les relations humaines, qui pourrit les relations entre frères et sœurs. On découvre avec psychologie, avec raison, la capacité de cet autre à nous faire du mal. On le sait parce qu'on a vu tous les rouages, on le sait parce qu'on le connaît, on le sait parce qu'on l'a vu faire. Et l'histoire, là, nous apprend que Dieu a mis en Jacob cette capacité de voir un potentiel au-delà de cet autre potentiel. Et malgré ce potentiel, malgré ce potentiel de mal, Jacob a été capable de voir dans Ésaü la face de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a vu dans Ésaü qui l'a amené à parler ainsi? Est-ce que c'est simplement une lubie, une extase? Qu'est-ce qui s'est passé? Le texte nous le dit, justement, tout à la fin du verset 10. Tu m'as accueilli. Dans la traduction, on ne reçoit pas tout ce que l'on reçoit dans le texte original, et vous le savez très bien. Le verbe qui est utilisé ici, c'est le verbe ratsa, qui est un verbe technique, qui est utilisé pour désigner le fait que Dieu accepte l'offrande, le sacrifice. On fait un sacrifice quand on a commis une faute, quand on a offensé Dieu à cause de son péché, on fait un sacrifice et il y a toujours une angoisse quand on fait un sacrifice. Est-ce que ce sacrifice va être reçu par Dieu? Est-ce que Dieu va me pardonner? Eh bien, c'est ce verbe-là qui est utilisé dans les textes lévitiques pour dire que Dieu accepte, ratsa, ton sacrifice, il t'a pardonné. C'est cela que Jacob a expérimenté en Ésaü. Quand il lui dit, et tu m'as accueilli, et tu m'as pardonné. Jacob a fait l'expérience de Dieu en Ésaü, qui lui avait pardonné. Comme Dieu lui avait déjà pardonné avant, juste au chapitre 32, quand Dieu lui avait révélé sa face. À ce moment-là, Jacob peut dire
à Ésaü, tu as agi comme Dieu lui-même, comme Dieu tu m'as accueilli, comme Dieu tu as accueilli mon offrande, comme Dieu tu m'as pardonné, j'ai vu ta face comme la face de Dieu. Il y a un appel à Jacob ici, à Jacob que nous sommes, à voir la face d'Ésaü comme la face de Dieu, à ne pas y voir l'ennemi mais voir Dieu lui-même, à regarder notre frère, à regarder notre sœur et à y découvrir et être capable d'y découvrir qui il est, qui elle est, précisément parce qu'on a déjà vécu cette rencontre, cette découverte de la face de Dieu. Il y a donc un appel à Jacob, à Jacob que nous sommes, à nous battre avec Dieu, à se laisser empoigner par Dieu, à découvrir sa face, à nous laisser surprendre par sa face, à recevoir son pardon pour être capable de nous tourner vers notre frère, vers notre sœur, vers notre ennemi et à découvrir là, à nous laisser surprendre pour y découvrir là ce miracle alors qu'Ésaü venait à l'encontre de Jacob avec ses 400 hommes, toutes les intentions, les pires intentions, à Ésaü couru, Ésaü a embrassé, Ésaü s'est jeté au cou de Jacob, il le baisa. Et à l'horizon de cette rencontre qui renverse tout, qui est la rencontre de Jacob et d'Ésaü, de Jacob et de son frère, de Jacob et de sa sœur, ils pleurèrent ensemble. Et alors qu'ils pleurent ensemble, ma prière pour chacun d'entre nous, c'est que à ce moment-là, nous soyons capables de dire à notre frère, à notre sœur, j'ai vu ta face comme j'ai vu la face de Dieu. À ce moment-là, les droits de l'homme seront respectés. Amen. Alors, la place que tu vas prendre.
dans vos vies bien remplies, dans vos vies peut-être trop remplies, dans un endroit, à un moment, par ici ou par là, il existe une place où le grand maître de la vie vous attend pour un face-à-face. Par ici, par là, dans mes jeux et mes joies, à l'école ou chez moi, venait à me manquer. Dans mes peurs et mes nuits, mes colères, mes ennuis, un grand vide existait que rien ne peut combler. Mon Dieu, serait-ce alors la place que tu veux prendre? Mon Dieu, serait-ce alors la place que je te donne? Notre Père, toute notre reconnaissance et notre louange ce matin encore pour la beauté de la musique, la beauté de ces enfants, de ces jeunes, de ces musiciens, la beauté de ces paroles et surtout, Seigneur, la beauté de ta parole, sa profondeur, sa capacité à nous toucher, quelle que soit la place où nous sommes. Seigneur, notre reconnaissance, notre louange, parce que tu viens à notre rencontre, parce que tu ne te lasses pas de nous chercher, parce que tu souhaites le face-à-face avec chacun d'entre nous. Je te supplie, Seigneur, pour que ce face-à-face demeure, même si parfois il prend la forme d'un combat, parce que je résiste, parce que je ne comprends pas, ou parce que je crois comprendre trop bien, Seigneur, qui tu es et qui est mon prochain, qui est mon frère, et que je m'enferme dans mes idées, mon idéologie, ma perception. Seigneur, je te loue et je te remercie ce matin pour ce face-à-face-là, parce que dans ce face-à-face, je suis pardonné. Nous sommes pardonnés. Nous sommes transformés. Nous sommes une nouvelle créature, Seigneur. Et que parce que nous sommes pardonnés, alors notre regard change aussi vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Aide-nous, Seigneur, à vivre de cet amour. Aide-nous à vivre de ce pardon. Aide-nous à sortir, Seigneur, de nos ornières, de nos enfermements, de nos prisons. Aide-nous à te voir, toi, et parce que nous sommes vus de toi, à voir notre prochain là où il est, dans sa différence, dans sa complexité et dans son unité. Que ton Saint-Esprit repose sur chacun d'entre nous. Que ta main soit sur le front et sur le cœur de chaque personne ici présente, pour que ce contact-là transforme, vivifie, aujourd'hui, maintenant, et pour l'éternité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais partager avec vous un verset que nous connaissons très bien, 2 Corinthiens
chapitre 13, verset 12, 13 aussi, dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Mes chers amis, permettez-moi juste une précision par rapport à l'événement qui suivra juste à la sortie de l'église. Donc, comme vous savez, nous aurons notre première marche pour la liberté et elle aura lieu de la façon suivante. Monsieur le maire de Collonges nous fait l'honneur de sa présence. Lui-même, avec le directeur du campus, Jean-Philippe Lehmann, se posteront à la tête de la marche. Suivra ensuite les JA de l'église, donc tous les compagnons, les explos, les tisons, avec leurs animateurs, se tiendront juste derrière monsieur le maire et le directeur du campus. Puis toute l'église, unie avec ces deux groupes, nous marcherons, c'est une très courte marche, nous partirons du parvis pour aller jusqu'à Lola, donc devant le monument de monsieur Weidner, où une courte allocution de monsieur le maire aura lieu, en l'honneur de tous ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté. Donc voilà, ne perdons pas de temps, juste à la sortie de l'église, nous sommes tous invités à nous rassembler devant le parvis. Merci. Je vous invite à rester debout pour chanter ce dernier chant, Voir mon Sauveur face à face.